Le numéro 52 que voici nous est présenté par Philippe et Christophe Desmar de Chantelet-Saint-Humbert dans la nuit du 28 avril. Ah, c'est un fils de ce grec et qui est un talent très intéressant. Moi, j'ai été judicieux dans mes grecs l'année dernière. D'aller emmener la jument en rose jour à The Greg Yeti parce que depuis que le cheval a fait un bond en termes de tarif, il est à 12 000 euros. Bon, il était déjà à 7 000 quand même l'année dernière. The Greg Yeti, très bon étalon de temps, en plaque en obstacle, la raison de l'augmentation de son. Alors là encore, on va retrouver une souche de plat, une souche de plat plutôt. Alors, au plan, est-ce que si ma mémoire est bonne. Non, ce n'était pas une vertémère, je le confonds avec une autre jument. En tout cas, c'était une très bonne jument qui a gagné Saraka, la quatrième mère. Il entra à la gagné le Critérium de l'Ouest à Nantes, à l'époque. Rosjour, la mère, n'a certes pas couru. Ah, notons qu'après la Goliath du Berlay, qui s'appelle Rose de Lurcy, elle a eu un mâle en 2022 de Pourmoi. Elle a eu un mâle en 2022 de Pourmoi, la mère Rosjour. Et donc, ici, ils sont troisième. Produit la grand-mère Uptown par l'excellent Anaba, gagné belles épreuves, des belles courses de position à Longchamp, le prix du lac et de la miche Audière. Voilà, elle a fait un jour, enfin une première sérieuse en tout cas, qui a fait 5 vainqueurs, la grand-mère Uptown. Et donc les démarres ont emmené la jument bien servie Goliath du Berlay pour moi et ce grec. Gatsby, vous parlez bien sûr du numéro ici 52.